Et les gens, c'est Mr. John Cena, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo assez spéciale puisque ce sont les achats DVD à la brocante de Saint-Jean, les deux jumeaux. Donc ils sont juste ici, je vais vous les présenter, c'est une vidéo en deux parties. C'est parti et bonne vidéo. Alors on va commencer avec un DVD, donc je vais vous montrer d'abord le coffret, hein, voilà. Voilà, il s'agit du coffret de Star Wars, la saga Skywalker. Donc ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas acheté à la brocante, je l'ai acheté à Dax quand j'étais en vacances à Dax. Donc dans ce coffret là, il y a marqué « Les bonus peuvent ne pas contenir de sous-titres ». Ils se sont bien moqués de moi, puisqu'il n'y a aucun bonus dans chaque DVD. J'ai mis un DVD, tous les DVD un par un, pour voir s'il y avait des bonus. Que dalle, il y a juste le film, les chapitres et l'audio, c'est tout. Donc, faut pas qu'ils mettent les bonus, peuvent ne pas continuer tout de suite. Il n'y a pas de bonus du tout. Donc, voilà. Et c'est donc pour ça que j'ai acheté le volume 1, donc La Menace Fantôme, en double DVD. Voilà, parce que derrière, il y a tout ça de bonus. Donc, il y a documentaire, film documentaire qui dure une heure, reportage interactif, 5 extraits pour découvrir les coulisses, web documentaire, clip vidéo, galerie de photos inédites, affiches de cinéma, les bandes d'annonces, les extraits du jeu du Lucasfilm, les liens internes DVD en bas. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ce DVD, parce qu'il y a le DVD bonus à l'intérieur. J'ai trouvé le 1, j'espère trouver le 2, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'était pour Star Wars. Ensuite, un film d'horreur. Comme j'aime bien les films d'horreur. Il s'agit du film The Descent. Je crois qu'en français ça se dit la descente. Voilà le DVD. Y a-t-il des bonus? Oui, il y a le making of et la bande-annonce du film. Ensuite, un film écrit et réalisé par Joel Seria. Je connais pas. Il s'agit du film Mumu. Voilà. Mumu. Et il n'y a pas de bonus. Oh, c'est dommage. Il n'y a pas de bonus. On aurait bien aimé voir les coulisses, les making-of, un petit bêtisier. Enfin, voilà, il n'y a aucun bonus. Tant pis, c'est pas grave. Ensuite, un film. Je ne sais même pas si ça va être bien ou pas. Avec Sylvester Stallone, J.J. Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, Steve Austin, Cruz, Rourke et Willis, donc c'est plâtré de catcheurs et d'acteurs. Sylvester Stallone, c'est Rocky Balboa. Dolph Lundgren, Rocky Balboa aussi. Steve Austin, c'est catcheur. Randy Couture, c'est le combattant de l'UFC. Mickey Rourke, un acteur aussi et catcheur. Bruce Willis, enfin voilà. Il s'agit du film Expendable, unité spéciale. Donc, je sais pas du tout ce qui va donner ce film. Voilà. C'est un petit. Dedans, il est comme ça. Est-ce qu'il y a des bonus? Oui, il y a commentaire audio de Sylvester Stallone. From the Ash, la post-production et la sortie du film, les scènes coupées. Sur le tournage, donc c'est making of. Entretien avec les voix françaises des Expendables. Ah bon? Ah, c'est chouette. On a une interview avec les doubleurs français des acteurs. C'est trop bien. Les avant-premières du film en France. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner les doubleurs français qui font une interview des doubleurs français. C'est vraiment... vraiment bien. Ensuite, un film de Robert Redford. Voilà. Il s'agit du film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Donc il marque avec un large choix de bonus. Alors il y a quoi? Il y a bande annonce, confidence de l'équipe, propos de Robert Redford, Buck Brennaman, modèle d'inspiration, côté musique, clip vidéo, les scènes mortes. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup de bonus. Hein. Et le DVD il est comme ça. Donc il est gris. Voilà. On continue avec un film de Valérie Gignabaudet.
je sais pas si je prononce bien, il s'agit du film Danse avec lui. Voilà. Donc si je parle pas sur les DVD, c'est que je sais pas encore. Je connais pas, je sais pas ce que ça va donner. Ensuite, un film de Gilles Mimouni avec Romane Boranger, donc la fille de Richard Boranger, Vincent Cassel, Jean-Philippe Ecoffé, Monica Bellucci. Il s'agit du film L'Appartement. Voilà. Ensuite, un film de... Il n'y a pas marqué de qui est ce film-là. Eh ben, il n'y a pas marqué. Bizarrement, il n'y a pas marqué. C'est écrit en tout petit en plus. Bref, c'est pas grave. Il s'agit du film Love Song avec John Travolta et Scarlett Johansson. Donc là-dedans, il y a le commentaire audio, Making of, 8 scènes coupées et les bandes annonces. Et on termine avec un dernier DVD, puisque il faut bien faire une deuxième partie. Il s'agit d'un film de Thierry Cliffa, avec la participation... Non. Avec, il y a Patrick Bruel dans le film. Il s'agit d'une vie à t'attendre. Donc vous voyez, Patrick Bruel là. Il y a Patrick Bruel ici. C'est assez marrant. Donc là, je sais pas d'y aller marquer des trucs, je sais pas ce que c'est. Ça. Voilà. Y a-t-il des bonus? Non, y a pas de bonus. Bon, bah tant pis. Donc bah voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. C'était Mister John Cena. Sur ce, ciao à tous.